Le Real a frôlé la sortie de route en quart de finale retour de la Ligue des Champions. Vainqueur 3-0 à l'aller et donné favori, les doubles tenants du titre ont été pris à la gorge par la Juventus qui va mener 3-0 grâce à un doublé de Mandzukic et un but de Matuidi. Alors qu'une prolongation se dessine, coup de théâtre. À la 93e minute, l'arbitre siffle un pénalty en faveur des Espagnols et dans la foulée de la contestation italienne expulse le gardien Gianluigi Buffon qui disputait peut-être sa dernière rencontre européenne. Cristiano Ronaldo exécute la sentence et envoie son club dans le dernier carré. L'autre quart de finale s'est révélé beaucoup moins riche en émotions. C'est à l'issue d'un match nul 0-0 que le Bayern Munich a validé son billet pour le dernier carré, la 6e fois sur les 7 dernières années. Les hommes de Jupp Heynckes s'étaient imposés 2-1 à l'aller sur la pelouse du FC Séville, qui reste à quai.